La Bretagne. Terre de légendes et de mystères, elle fascine encore aujourd'hui nombre de voyageurs et de promeneurs en quête de découvertes pour les uns et de paix pour les autres. Nous allons vous offrir une balade de découverte dans des lieux insolites où l'homme a marqué la terre de son empreinte tout au long de l'histoire. De Pimpon, jadis resplendissante, les multiples incendies du XXe siècle contribuent à la déforestation et la forêt aux mille légendes est aujourd'hui menacée. Entrez dans ces landes. Connaissez-vous un endroit aussi idyllique qu'ici? Un endroit où l'homme peut communier avec cette nature si paisible. Aussi belle et mystique qu'elle soit, ces landes fragilisent l'écosystème en appauvrissant les sols au détriment des forêts. Nulle autre région de France n'a autant de contes et de légendes. Elles suscitent toujours beaucoup d'engouement, bien que leurs origines soient parfois très lointaines. La Table Ronde, le roi Arthur, autant de légendes que vous connaissez peut-être. Tout comme Merlin, la fée Morgane, la fée Viviane, Pendragon et bien sûr les Korrigans que nous croiserons peut-être durant notre aventure. Les menhirs que l'on trouve un peu partout en Bretagne sont certes assez méconnus, mais ils demeurent des traces du passé que l'on peut percevoir comme le livre d'histoire de la civilisation celtique qui avait l'habitude de transmettre son savoir oralement et non par écrit. Les différentes étapes que nous avons traversées sur les sentiers de Bretagne, de Tréhal à Tréorenteuc, en passant par la forêt de Pimpon, la Gacie et Monténeuf, va nous plonger dans l'imaginaire révolu de la Bretagne celtique à son origine. C'est un véritable voyage dans le temps pour comprendre l'esprit des hommes d'autrefois, dont les légendes et les croyances sont les sources d'un savoir méconnu et pourtant très précoce en ce qui concerne l'astrologie, les druides ou même la médecine. Cette grande civilisation a tiré parti des échanges humains tout au long de son histoire et par son identité a pu conserver une faune et une flore locale riche et diverse, offrant un cadre exceptionnel à ces vestiges précieux que sont ces menhirs. À travers le voyage, la route, les sentiers, la forêt et les rencontres, nous vous proposons un flashback d'un temps passé où le pire était que le ciel nous tombe sur la tête. Nous nous demanderons quelle est la place des légendes et des mégalithes en Bretagne aujourd'hui. Comment et pourquoi les hommes ont-ils levé ces pierres? Et que représentent-elles pour les Bretons actuels? Et ces légendes fascinent-elles encore en Bretagne et en dehors de cette région? Qu'a fait la Bretagne pour mettre en valeur ces vestiges du passé? Autant de questions que nous tenterons de répondre à travers ce documentaire.